Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester un boîtier papillon. Aujourd'hui, nous sommes sur une Clio 3. Mais c'est valable pour tous les véhicules, à partir du moment où vous avez le matériel qu'il faut. Nous allons voir ça ensemble. Ce que vous avez raté, c'est quoi? Ben, c'est rien. C'est simplement, j'ai branché l'appareil. L'appareil, la valise, comme on dit. Et puis, je me suis mis un peu à l'écart par rapport au sifflement. Ça fait encore du bruit. Non, je vais aller encore plus loin parce que ça fait du bruit. Bon, je vais me mettre ici. Alors, on a dit c'est une Renault. Sélection automatique. Lecture. Un peu plus d'éclairage. Voilà. Je suis d'accord. Oui, c'est bien ça. Diagnostic. Pour aller plus rapidement, je vais prendre directement, je vais directement dans le moteur. Voilà. On regarde s'il y a un défaut. Aucun défaut. D'accord. Bon. On va faire comment? Ben là, on va aller près du véhicule. Parce que vous allez entendre un sifflement, c'est pour ça que je me suis mis à l'écart. Et là, je vais tester directement le boîtier. Et normalement, vous devez entendre un bruit. Papillon motorisé. Je lui dis OK. Voilà. Et là, c'est parti. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous allez entendre ce sifflement là, c'est normal, hein? Alors, on va encore tester de nouveau. Donc, je lui dis de tester. Et c'est parti. Le boîtier papillon se trouve ici. Et on entend qu'il fonctionne. Voilà. Voilà. Terminé. Quoi, il n'y a pas assez? Vous n'êtes pas satisfait? Il y a toujours des insatisfaits, même quand on fait un travail bien. Vous voulez encore plus? Voilà pourquoi il y en a qui mettent des likes vers le bas sans même savoir pourquoi. Vous voulez plus que ça? Plus? Ok. On fait un pari. Si je vous en voulez plus, si je vous en donne plus, promettez-moi de me faire comme ça. Ok? On va plus loin. Dans ce cas, j'installe ma GoPro que j'ai achetée très cher et rien que pour vous. Et je prends une clé 7 que je dévisse. Ici au niveau du papillon. Allez, lâche ça. Tuyau renifleur, j'enlève. Et je déboîte le boîtier filtre à air. Voilà. Ah, mes abonnés, vous m'aimez. Hein, et je vous aime. Hein. Vous en voulez plus, plus encore, plus encore. D'accord, je vais vous en donner plus. Vous avez de la chance, hein? Je suis en vacances. Aïe. Voilà. Pas la peine de retirer ça totalement. Je vais vous en donner plus. Regardez bien. Ici, vous êtes à l'intérieur du papillon. Je vais même vous prendre de l'éclairage. Le papillon, c'est ça. Boîtier papillon, c'est ça. L'accélération, c'est ici, c'est quand il y a l'air qui rentre à l'intérieur. D'accord? Alors, je reprends pour vous. Je reprends la leçon. Regardez bien. Nous sommes en compartiment moteur. Injection, c'est moteur. Actionneur.
Actionner, quoi? Je veux actionner le boîtier papillon motorisé. D'accord. Il faut mettre le contact, véhicule à l'arrêt, moteur à l'arrêt. Et là, pour activer la commande, cliquez sur confirmer. On confirme sur OK. D'accord. Dans ce cas, à distance, on peut le voir, j'appuie, clac, et ça lance. Regardez bien. On est d'accord. On avait fait un pari. Laïka, 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 ok? Mes amis, il ne vous reste plus qu'à remonter. Tout remonter. Et bien, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.